un mythe de la justice internationale. Un grand révolutionnaire. N'importe où que vous soyez, vous demandez le plus connu, le plus célèbre avocat du monde, c'est Jacques Vergès. Maître Jacques Vergès, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, mon cher ami? Je vais très bien, merci. On est très content de vous voir. Oui. Un guerrier. Si vous voulez. Alors, la question que je me suis posée, Maître Vergès, est un guerrier parmi les soldats de Dieu ou le diable, du mal ou du bien? Comment vous le voyez? Écoutez, je ne vois pas le monde quand même de cette manière, le bien et le mal, mais disons que je me bats pour un idéal qui est un idéal qui est considéré comme le bien par tout le monde, c'est-à-dire pour l'indépendance des peuples, contre l'humiliation, contre les atteintes à la dignité humaine, contre la torture, contre l'agression. C'est-à-dire, vous ne croyez pas à la dualité, mal et bien, noir et blanc. Vous croyez que troisième entité peut exister, gris? Non, je crois que les choses sont beaucoup plus complexes. Plus complexes que ça? Oui. Trois? C'est-à-dire ni deux, ni trois? Ni deux, ni trois. Que le blanc n'est jamais tout à fait blanc, que le noir n'est pas tout à fait noir. Alors, gris? Non, pas du tout. Non. Croyez-vous en Dieu? Je crois en l'homme. C'est l'homme qui a créé le Dieu? Je ne sais pas. Une force cosmétique qui peut être plus forte que l'homme? Je crois rien n'est plus fort que l'homme. On le voit aujourd'hui, on l'a vu hier, quand la France a combattu le FLN algérien. Les Algériens étaient moins forts au point de vue militaire, au point de vue armement. Ils ont gagné. Les Vietnamiens ont gagné à la fois contre la France et contre les États-Unis. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a gagné, c'est le courage de l'homme. L'homme contre l'homme, de toute façon. Non, l'homme contre la machine. L'homme contre la force morale contre la force matérielle. Morale n'avait pas de matériel pour gagner les guerres. Il avait le matériel. Qui? L'homme qui a gagné. Ils avaient moins de matériel. Les Vietnamiens, quand ils ont battu les Américains, n'avaient pas d'avion. Quand ils ont battu les Français, ils n'avaient pas de char. Les Algériens ont gagné leur guerre, ils n'avaient ni avion ni char. Qu'est-ce qu'ils avaient? Le courage. Foi, le foi aussi. La force morale. La force morale. Est-ce que la force morale et le courage, les deux, en même temps, pour faire gagner contre les grandes puissances? Sûrement. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'était comme ça. On n'a qu'à voir en Irak aujourd'hui. Les Américains sont avec une armée extraordinaire, c'est la plus grande puissance militaire du monde. Oui. Et ils ont frappé un pays beaucoup plus faible. Oui. Et ils sont pris maintenant, ils ne savent pas comment. Ils ont été, c'est une défaite morale, c'est une défaite politique. Ils n'ont pas réalisé leurs objectifs. Et maintenant, ils ne savent pas comment s'en sortir. Est-ce que là-bas, seulement c'est la faiblesse des Américains ou la force de d'autres services de renseignement sur place qui peut manipuler plusieurs tendances idéologiques, politiques, mon cher maître? Non, on peut penser toujours qu'il y a des forces étrangères, mais quand des hommes acceptent de mourir pour une cause, ça montre très bien que c'est une force morale. Ce n'est pas une faiblesse de mourir pour une cause? Pour une cause. Non, non. Parce que ça dépend de quelle cause, mon cher maître. Certains disent que la fin justifie les moyens. Peut-être la manière de faire la guerre justifie la guerre aussi. Les gens qui se battent, qui se sacrifient pour une cause, les Irakiens qui se battent, quelle qu'il soit leur tendance, se battent pour la dignité de leur pays, pour la dignité humaine. Se battent contre Abu Ghraib. Abu Ghraib est une monstruosité. Quand vous voyez des hommes nus, mourants, tirés avec une laisse par une jeune fille qui rit, nous sommes en pleine barbarie. Pendant la guerre d'Algérie, c'est l'usage de la torture qui a été la défaite morale du gouvernement français.
Mon cher maître Jacques Vergès, croyez-vous que des messagers ou des prophètes ils étaient des choses positives dans l'histoire humaine? Oui ou non? Que les prophètes ont été une histoire positive, sûrement. C'était positif? Oui. Alors, c'est-à-dire, on va revenir à notre question première, ça veut dire Dieu, prophète, important. Même dans le combat. Vous citez l'Irak. L'Irak d'aujourd'hui ne pourrait pas continuer son combat contre les Américains sans prophète, sans Dieu. Oui, c'est vrai, sans cette croyance, oui, qui est respectable. Mais vous avez, les Vietnamiens se sont battus sans référence à Dieu. Mais ils avaient une croyance quand même, les Vietnamiens. Ils croyaient dans leur nation, dans la nation vietnamienne. Parce que toujours dans la philosophie, on dit l'objet à quoi vous croyez, ce n'est pas très important. L'important, c'est que vous croyez. Oui. Alors, c'est-à-dire la croyance. Les Vietnamiens croyaient dans le Vietnam, dans leur culture, leur histoire. Il existait quelque chose en dehors de l'être humain, penser. Non, la nation, la culture, c'est pas en dehors de l'être humain. Parce que ça divise de temps en temps. Pardon? Ça divise le peuple. La nation, non. Les Vietnamiens ont été unis dans le combat. S'ils n'avaient pas été unis, ils n'auraient pas gagné la guerre. On va résumer. Dieu existe, les prophètes sont justes. Je dis que les prophètes en général, je vous m'avez posé la question, est-ce qu'ils sont justes ou pas justes? Ils existent et ils représentent un moment dans l'histoire de l'humanité. La plupart des personnes qui les avaient défendues, oui. C'était des croyants. Oui. Pas tous. La plupart. La plupart, c'était des croyants. C'est-à-dire, les actes qu'ils faisaient, ils suivaient une croyance. Oui. Maître Jacques Vergès, quand il les défendait, vous ne défendiez pas l'objet qu'il croyait était juste ou non. Vous défendiez l'individu, n'est-ce pas? Mais cet individu, il avait des valeurs qui peut-être n'étaient pas 100% favorables à vos valeurs. Non, je défendais les valeurs, non pas seulement les individus, mais leurs valeurs. Quelles étaient les valeurs des combattants du FLN algérien? C'était l'indépendance de l'Algérie. Ça, on n'en parle pas. Algérie, non. Les autres. Quels étaient les... Ben, par exemple, j'ai défendu des fidaïnes palestiniens. Oui. Certains étaient musulmans, d'autres étaient chrétiens. Oui. Toujours étaient croyants. Et toujours, c'était l'indépendance de la Palestine. Mais s'ils n'étaient pas croyants, ils ne croyaient pas à Jésus comme sauveur, à l'islam politique révolutionnaire qui va changer le monde. Jamais ils ne pouvaient pas devenir fédéraux. Parmi eux, il y avait des marxistes. George Havas, Naif Watme. Parmi les Palestiniens. Je ne parle pas de ceux que je n'ai pas défendus. Parmi ceux que j'ai défendus, il y avait des marxistes. Je vous confie un secret, mon cher. Pardon? Je vais vous confier un secret. Oui. Puisque je connaissais George Havas, Naif Watme. Vous savez, pourtant que c'était des socialistes, on peut dire, des communistes, des marxistes. Oui. Mais à la fin, même je vais vous dire, les représentants de Fidel Castro, juste le dernier, c'était, il y a déjà 2 ans, l'ambassadeur de Cuba en France. Quand on parle, quand on discute, à la fin, on arrive à quelque chose. C'est-à-dire, à la fin, on arrive à quelque chose, de temps en temps, on va le nommer le Dieu, la force organisateur du monde, je ne sais pas quoi, mais il croyait à quelque chose plus fort que la puissance d'être humain. Tous ces gens-là.